La princesse Victoria de Suède est très proche de ses enfants, et notamment de sa fille la princesse Estelle. Ce lundi 17 février, toutes les deux ont partagé un moment complice à la grande église de Stockholm, qui a été relayée par la famille royale sur Instagram. La princesse Estelle fait la fierté de ses parents. À seulement 7 ans, elle se prépare déjà à sa destinée royale, sous l'œil toujours bienveillant de la princesse Victoria de Suède et du prince Daniel. Ses parents croient en effet beaucoup en elle. Ce n'est pas anodin s'ils ont créé début février la Fondation culturelle de la princesse Estelle, une structure visant à promouvoir les activités culturelles en Suède. Si sa vie est déjà toute tracée en tant que membre de la famille royale de Suède, la princesse Estelle profite de son jeune âge pour vivre des émotions fortes comme les aiment les enfants. Et c'est ce qui s'est passé ce lundi 17 février. Ce jour-là, elle a accompagné sa mère à la grande église de Stockholm, où elle a rencontré l'organiste des lieux Mathias Wager. Mère et fille ont eu droit à une visite guidée privée, qui leur a semble-t-il beaucoup plu. Lors de cette visite, la princesse Estelle s'est familiarisée avec l'orgue à 3 étages de l'église et a même joué un semblant de morceau à la princesse Victoria, qui ne cachait pas fierté. Un moment agréable et complice que mère et fille étaient visiblement ravis de partager, si l'on en croit leurs sourires respectifs. Pour l'occasion, la princesse Estelle avait une fois encore opté pour un look chic. Elle arborait un cardigan à fleurs brodées gris signé Bon Point, assorti à une jupe hissée. Une vraie petite fille modèle. Sur les vidéos postées par la famille royale sur les réseaux sociaux, on remarque que la sœur du prince Oscar marche normalement et, surtout, ne porte plus de plâtre. Rappelons que début janvier, la princesse Estelle avait fait une grosse frayeur à ses parents après une mauvaise chute à ski. Si elle était en bonne santé, sa blessure avait tout de même nécessité un plâtre. Un mois après son accident, la jeune fille, qui était toujours en béquille, faisait le show sur une vidéo, aux côtés de son frère Oscar et de son père Daniel. Cette semaine, la princesse Estelle a montré qu'elle se déplaçait désormais sans plâtre et sans béquille. Les nouvelles sont donc rassurantes.